à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Et là, on va explorer une maison qui est juste ici. Vous voyez que la véranda elle a été explosée. Ah ouais. C'est incroyable. Ah, c'est grave stylé, regardez le pilier qui est là. On a encore un bout de la queue du billard. Il a été bien défoncé. Je vais mettre la petite lumière voilà, de face. C'est incroyable. Ce salon. Avec ses photos et ses dessins au mur. Il y a une photo là sur le canapé. Une drôle de regard. Pas l'air très content d'être là. C'est incroyable. Ce salon. C'est quoi comme bouquin ici? Ah mais c'est le chat perché. Ah c'est incroyable. Là, je dis beaucoup incroyable dans la vidéo, je sais, mais pour le coup là c'est vraiment incroyable. Et ce qui est stylé, c'est ça. Regardez ce piano blanc. Magnifique. Alors, je pense qu'il ne fonctionne plus, malheureusement. Alors, les touches, elles sont toutes dures. Mais waouh. Je sais pas ce qui s'est passé ici. Est-ce qu'il y a eu un incendie? Non, je pense pas. Je pense que c'est vraiment l'usure du temps. Parce qu'il y a carrément des trous dans le plafond. Ah ouais. On fera gaffe quand on ira à l'étage après. À part là, tous les débris qui sont là et tout. C'est incroyable ce salon. Donc c'est une maison que j'ai trouvée par hasard sur ma route. C'était pas prévu. Et je suis rentré par là. La véranda qui est donc ouverte. Je fais attention parce qu'il y a des voisins qui sont pas très loin ici. Sinon après, autour, il n'y a absolument personne. Ce petit meuble avec le bottin à l'intérieur. Est-ce qu'on a une année? Juin 2004. Là, quand même. Là, on a une photo ici. Je sais pas si c'est dans le jardin ou pas de la maison. Là, on a plein de bazar. On a un trial poursuite, j'avais pas vu là-bas. Est-ce qu'on joue au trial poursuite? Il n'y a pas comme question. C'est à l'envers. Où se trouve la chambre d'amour? À Biarritz. D'accord. Peut-être c'est un hôtel ou un truc de genre, mais je ne connais absolument pas. Il y a quoi ici? Il y a encore un peu de vaisselle. Toute l'installation électrique désuète. Par là, on a la cuisine. Il ne reste pas grand-chose dans la cuisine. On a un peu de vaisselle. Des soucoupes là. L'heure qui s'est arrêtée sur 4h moins le quart, 4h moins 20. On a une espèce de débarras avec la chaufferie, je suppose. Ouais, c'est ça, avec le blanc d'eau chaude et tout. Il y a un micro-ondes, d'accord. Hop, marche arrière. Des plaques, pas de gazinière. Il y a encore quelques éléments. Je sais pas s'il y a des trucs dans les meubles. Non, il n'y a plus rien ici. Et pas grand chose non plus là-dedans. Il y a quoi? Rien. En tout cas, c'est très humide. Même la poignée ici, elle est mouillée. Faut dire qu'il a plu hein, ces derniers temps. Là, il reste quelques éléments aussi. C'est des photos, ça? Ah, le bébé, là, en bas, là, fait flipper. Hein. Mec, ça a bien moisi. Hein. Et que la végétation, elle est vraiment... tout autour de la maison, elle a vraiment réinvesti et elle a repoussé tout autour. Elle rentre même par les fenêtres. Et vous voyez, hein, la moisissure et l'humidité.
Regardez ça, là. Horrible. Je crois que c'est à peu près tout pour le rez-de-chaussée. On va monter à l'étage. Bon, je fais gaffe en montant parce qu'on l'a vu tout à l'heure, le plancher à l'étage par endroit s'effondre. Je vais être très vigilant. Hop, en plus j'ai mon sac à dos qui tape dans le mur. On va aller à la gauche au premier. Mais what? Je fais très attention où je marche. Est-ce qu'il y a une moquette, donc on voit pas le plancher. C'est incroyable. La porte du placard là-bas, le lit double, est-ce que c'était une chambre d'adolescent? Il y a encore des photos, j'ai cru que c'était un coffre-fort, mais non. Ouais, peut-être une jeune adolescente, avec la télé et le combi. Ah non, c'est pas un combi caméscope, j'ai cru, parce que vu qu'il y avait les cassettes VHS en bas. Mais c'est pas un combi caméscope. On a encore plein de photos de famille accrochées au mur, là. Il y avait la végétation, on va dire, je vous disais tout à l'heure, mais regardez ça. Elle monte jusqu'à l'étage. Mais de partout, hein, vraiment. Même ici. Il y a une ancienne bière toute moisie. Oh là là. Et alors, c'est incroyable, parce que dans la chambre, il y a aussi la salle de bain intégrée. Vous voyez avec l'évier qui est là. Je sais pas ce que c'est, de l'encre. Je sais pas trop. De la peinture peut-être. Et on a la baignoire jacuzzi entre guillemets. Qui commence à s'effondrer. Enfin c'est à creuser le sol. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais ça creuse le sol. Un petit chien là-bas. Il y en a par là. Alors par là, je vais pas y aller les amis, parce que je sais pas si vous voyez là-bas, mais c'est un trou. C'est un trou et ça mène directement à l'étage inférieur, donc je vais pas m'aventurer plus que ça. Ok, je vous montre ce qu'il y a par là, mais et là-bas c'est un trou. Je sens que là où je marche, c'est pas très très costaud, donc je vais pas m'aventurer par ici. En tout cas, elle est incroyable cette chambre. On va aller voir évidemment en face ce qu'il y a. Moi j'arrive dans la chambre, en tout cas la pièce d'en face. Est-ce que c'était une chambre? Oui, je crois qu'il y a un matelas là-dessous là. Alors ça, je pense que c'est des plaques de placo qui étaient au mur là-bas, qui sont tombées. Et regardez le mur. Je sais pas si c'est de la moisissure ou si c'est de la végétation. On se croirait dans Stranger Things. C'est incroyable. La végétation qui est partout, je le disais. Après, il n'y a pas grand chose à voir ici, à part un petit armoire qui est là. On a des bouquins. Contes de fées. Madame Doubtfire. Travaux sur la science et la géographie. Ok. Peut-être une chambre d'enfant ou d'adolescent aussi. On a des posters au sol. Et des bandes dessinées, donc c'est fort possible. Et du coup, la pièce d'à côté. Qu'est-ce qu'on a? Ah bon, on a une chambre aussi, ok. Attends, je mets plus de lumière. D'accord. Alors pareil, je fais très attention de là où je marche, parce qu'on est au-dessus de là où ça s'effondrait tout à l'heure. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais ça s'effondre vraiment. Il y a les champignons qui sont au plafond, là. La végétation encore à la fenêtre. Il y a une toute petite chambre, pareil, je pense, d'enfant, d'adolescent. Je m'avance pas plus parce que j'ai pas confiance au sol. Et comme je vois pas sur quoi je marche, car c'est de la moquette, je reste à distance, mais c'est fou, cette petite chambre violette là.
avec encore plein de choses sur les étagères là-bas. On a des cadres, des photos, des peintures, des peluches, des magazines. Petite maison qui paye pas de mine d'extérieur, mais qui est malgré tout assez incroyable de l'intérieur. Je pense qu'on a fait le tour de cette petite maison. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, le petit pouce en l'air si ça vous a plu. Vous partagez si ça vous a plu, si vous avez envie aussi avec vos amis et les réseaux sociaux et tout. Et puis, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et explorations sur ma chaîne YouTube. À bientôt. Ciao.